La plupart de mes films ont des parcours et des destins, notamment de production un peu atypiques. Et celui-là n'échappe pas à la règle. En fait, au départ, c'est une commande du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Une commande un peu particulière, parce que c'est une commande sans argent, en fait. C'est une proposition, quoi, on va dire. Voilà, la proposition d'écrire un film pour une dizaine de jeunes comédiens encore dans l'école en deuxième année. J'avais un petit peu peur que ça puisse être une redite par rapport à Conte de Juillet que j'avais fait 3 ans plus tôt. J'ai envie de t'embrasser, je suis désolé, je suis un homme, enfin, c'est pas un crime, non? C'est pas un crime? C'est de l'harcèlement. Mais comme Conte de Juillet, c'était vraiment un simple atelier transformé en film, mais vraiment tourné dans des conditions extrêmement modestes et avec des bouts de ficelle. Je trouvais ça intéressant vraiment d'approfondir l'expérience et d'écrire un vrai long métrage pour ces 10 jeunes comédiens. Ça me faisait beaucoup penser en plus à ce qu'avait fait il y a 25 ans, Pascal Ferrand, avec L'âge des possibles, qui était d'ailleurs un film Arte. Le projet même du film va être de travailler avec ces jeunes comédiens sur toute l'année, de se nourrir d'eux, de faire des allers-retours entre des périodes de répétition, d'atelier et l'écriture. Et moi, je savais que je voulais pouvoir écrire jusqu'au tournage et qu'on n'aurait probablement pas un scénario classique. L'expérience de Conte de Juillet m'avait donné un peu une sorte de méthode, et la méthode c'était de rencontrer individuellement les acteurs assez longuement et en fait de les approcher à la fois comme des comédiens mais aussi comme des jeunes gens, comme des personnes, et de m'intéresser vraiment à leur parcours, à leur personnalité, et d'écrire vraiment des rôles qui se nourrissent beaucoup d'eux, sachant qu'en plus c'était pour quasiment tous les comédiens une première fois au cinéma. Il y avait ce plaisir de pouvoir vraiment les raconter eux, en fait. Et je leur disais souvent qu'en fait les personnages du film, c'était un peu eux s'ils n'avaient pas fait de théâtre. Donc en fait, voilà, si leur vie n'avait pas bifurqué en devenant comédien, ben, qu'est-ce qui serait? C'est vrai qu'il y a Kilo Trésor, qui d'ailleurs est un documentaire qui finalement est assez mise en scène, et avec aussi des scènes qui sont presque des scènes de fiction par endroit. J'ai expérimenté une mise en scène composée de beaucoup de plans séquences, avec des échelles de plans assez larges, avec cette idée vraiment de capter des blocs de temps, des moments, et d'inscrire vraiment le plus possible les corps des protagonistes et les situations dans l'espace, dans le lieu qui m'intéresse. C'est vrai que ce qui m'excite le plus quand je tourne, même si c'est aussi quelque chose qui est aussi assez angoissant, assez déstabilisant pour tout le monde, mais c'est la notion d'accident et d'imprévu. Et c'est vrai que j'essaye que la mise en scène puisse accueillir des modifications de texte, des improvisations sur le tournage, que ce soit des interactions imprévues avec l'environnement autour des comédiens, que ce soit des gestes qui leur échappent, des regards qui leur échappent, etc. Enfin, voilà, toute cette dimension un peu vivante et documentaire me passionne. C'est aussi une mise en scène finalement assez, assez précise. Enfin, je veux dire, les cadres sont précis, on n'est pas du tout dans une mise en scène où on calquerait les mouvements de la caméra sur les déplacements des acteurs, etc. Non, les acteurs sont quand même contraints par le cadre, mais dans ces limites-là, il y a vraiment... ils ont du temps, les prises sont très longues. J'ai vraiment le sentiment qu'à l'abordage, l'abordage est un peu, d'une certaine façon, la synthèse et peut-être l'aboutissement d'un parcours depuis le naufragé. J'ai l'impression qu'on retrouve à l'abordage des motifs d'un monde sans femme, par exemple, avec cette question d'un personnage d'abord en retrait qui finalement s'affirme au fur et à mesure du récit. Et t'as des beaux yeux, hein. Non mais c'est vrai. Non mais quand tu regardes les gens, tu regardes vraiment. C'est rare.
Bon, allez, vas-y, un petit coup avec moi, parce que moi, j'ai pas envie de voir tout ça. Non, je... Pour moi, la vraie rupture, ça a surtout été le naufragé. Parce qu'en fait, avant, j'avais fait quelques films d'école. Enfin, j'ai notamment fait un film de fin d'études que j'ai complètement mis de côté, que j'ai sorti de la circulation, qui s'appelait Le Funambule, et qui m'embarrasse quand je le revois, parce que c'était un film très sérieux, en fait. Et qui me... Voilà, un film sans humour, enfin, ou avec très peu d'humour, et qui me... Et au fond, qui ne me ressemblait pas, ou en tout cas, peut-être qui ressemblait à la personne encore un peu trop sérieuse que j'étais à l'époque. Et c'est vrai que ce qui a vraiment changé... Enfin, j'ai vraiment fait le naufragé à l'époque contre ce film-là. Et le naufragé, en fait, partait d'un argument très simple, un argument presque de comédie. Il y avait une sorte de minimalisme dans la narration, etc. Et c'est quelque chose que j'ai... Je pense toujours essayer de conserver depuis, et c'est vrai que même à l'abordage, c'est l'argument narratif est très simple. Tout peut arriver. Il y a le récit en fait est en apparence assez ténu, et ce qui permet d'accueillir beaucoup de situations réjouissantes et beaucoup de rencontres. Et je crois que c'est ça qui m'excite le plus en fait. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, à l'époque, bon, même s'ils étaient un peu plus âgés que ne le sont les acteurs de l'abordage, au fond, c'était quand même des très jeunes acteurs de cinéma qui avaient assez peu tourné. Et il y avait déjà à l'époque quelque chose de très documentaire, en fait, dans l'approche, en tout cas, très documentaire, je mets le terme entre guillemets, mais en tout cas, j'avais vraiment écrit déjà à l'époque le film pour eux, en m'inspirant et en me nourrissant beaucoup de ce que je percevais d'eux, de ce qui me touchait chez eux. Donc il y avait vraiment quelque chose, une matière documentaire dans l'écriture. Donc finalement, ça n'a pas tant changé que ça. Ce qui est vrai, c'est que le moteur pour moi est quand même souvent cette idée d'essayer de gratter la surface d'un comédien et d'essayer de révéler quelque chose qui n'existe pas encore vraiment chez un acteur ou une actrice. Et que voilà, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai fait tous ces films avec des jeunes, entre guillemets, des jeunes comédiens. J'aurais du mal à imaginer ne pas refaire à un moment ou un autre un film avec Vincent et Laure, enfin, pas forcément réunis dans le même film, mais en tout cas, de toute façon, quasiment entre chaque film, je me pose cette question-là de est-ce que c'est le moment de refaire un film avec Vincent, de refaire un film avec Laure, etc. Et puis souvent les circonstances font que finalement je me retrouve à faire un documentaire ou un film qui part d'une commande, etc. Et puis donc ça repousse. Mais c'est bien parce que plus il serait écoulé de temps entre Un monde sans femme et Tonnerre et puis le prochain film avec eux, plus il y aura de choses à redécouvrir et voilà, plus ils auront changé entre temps et plus ça aura de sens de refaire un film avec eux. J'ai commencé en fait mon parcours de réalisateur en essayant d'écrire un long métrage. C'était il y a longtemps, c'était il y a 15 ans. J'avais l'impression d'écrire, de réécrire et d'être finalement très très loin des gens, de la réalité, des acteurs et d'être et donc finalement très loin du cinéma en fait. Mais ma réaction à ça, ça a été d'essayer de tourner. Le plus régulièrement possible, le plus spontanément possible. C'était très important dans mon parcours, cette idée qu'on peut aussi, à certaines conditions, en acceptant de faire des films avec des budgets assez réduits, des équipes assez restreintes, qu'on pouvait faire des films quand même assez régulièrement avec une grande liberté. Je pense qu'en fait, tous mes films, au fond, même Tonnerre, qui est le film, entre guillemets, le plus classique, ou le plus cinéma, même Tonnerre, c'est fait avec une équipe d'à peine 20 personnes, et finalement, dans un esprit pas si éloigné que ça du court-métrage. En tout cas, j'ai toujours essayé de rester dans cet esprit-là, en fait. Il n'y a jamais eu vraiment de rupture pour moi entre le court, le moyen et le long. J'attendais deux filles, Félicien et Chérifa. Ouais, c'est nous. Et je vais arriver, tu sais, il va se passer quoi? On va faire l'amour comme des Mohicans, mec. J'ai pas envie de te voir, ok? Donc tu pars maintenant, j'appelle les gendarmes.